Un petit peu peur quand j'ai vu que la salle était vide. Je sais que les questions de qui ont attrait à l'écologie ne sont pas forcément les plus populaires, mais elles vont le devenir, je pense. Donc merci de vous intéresser à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Déjà en quelques mots pour me présenter, Grégoire Guéden, je suis dans le Rhum depuis une grosse quinzaine d'années maintenant et j'ai la chance de diriger les activités Rhum d'un groupe familial, d'un groupe martiniquais, qui s'appelle le groupe Bernard Ayotte. Et à ce titre, j'ai la chance d'avoir dans les entreprises que j'encadre la distillerie JM, dont on va parler aujourd'hui et qui est une pépite et qui est un modèle en matière d'éco-responsabilité, qui est devenu un modèle en matière d'éco-responsabilité. Et comme c'est un sujet éminemment sensible, c'est un sujet politique, c'est un sujet de société. Bon, je ne vais pas anticiper sur ma présentation, mais forcé, contraint de faire évoluer un certain nombre de processus de fabrication, de tenir compte d'un certain nombre de nouvelles réglementations, eh bien, notre entreprise a décidé d'embrasser la cause écologique, parce que éco-responsable, de manière à inscrire dans son ADN et inscrire demain probablement aussi dans sa stratégie de communication cet aspect extrêmement vertueux de nos processus de fabrication. Voilà, j'ai dans mes équipes le directeur de la distillerie JM que je souhaite saluer parce que c'est lui qui a mis en œuvre tout ce que je vais vous montrer. C'est lui la cheville ouvrière de cette entreprise, Emmanuel Béchaud. Je lui ai dit que ça n'était pas nécessaire de sauter dans l'avion pour venir faire cette présentation, que j'étais là, mais je tiens à le saluer. Et d'ailleurs, il ne va pas dire un petit mot, mais enfin, ça, notre maître de chais qui interviendra à la fin par voix vidéo vous dira un petit mot du millésime qui n'est pas encore embouteillé et que vous aurez la chance aujourd'hui de déguster en priorité. Voilà. Je vais essayer de faire une présentation la plus intéressante possible. N'hésitez pas à m'interrompre. Je vais essayer de rester dans l'esprit de Churchill, qui dit qu'une bonne présentation, c'est comme la jupe d'une femme. Ça doit être assez long pour bien couvrir le sujet, mais ça doit aussi être assez court pour susciter l'intérêt. Donc je vais essayer de rester dans cet état d'esprit. Et n'hésitez surtout pas à m'interrompre si je sors de ce cadre du trop court ou du trop long. Voilà. Alors, quelques mots sur cette entreprise, et puis on va rentrer après beaucoup plus dans le vif du sujet. Mais c'est difficile que je vous propulse immédiatement dans l'aspect technique et l'aspect environnemental de notre production, sans vous dire quelques mots de cette entreprise que certains connaissent. Pierre Moreau me disait il y a quelques minutes tout le bien qu'il pense de cette entreprise et de ses anciens propriétaires. C'est une entreprise qui a la chance d'avoir, au travers de son histoire, 1790, la famille Préville qui l'acquiert, qui donne son nom au lieu dans lequel elle se trouve aujourd'hui, le domaine de Font-Préville. En 1847, elle est rachetée par Jean-Marie Martin, une première famille, une deuxième famille. C'est lui qui achète cette sucrerie et c'est à partir de l'acquisition de l'entreprise par Jean-Marie Martin, qu'il transforme la distillerie en sucrerie et qu'il appose ses initiales sur les fûts qui donneront le nom et toute la symbolique de cette marque JM. L'histoire ne dit pas, et je ne sais pas, et mes collaborateurs ne savent pas,
Et Hubert Duchamp ne savait pas, l'ancien propriétaire, si le M c'est pour Martin ou si le M c'est le mari, c'est le M de Marie. Voilà, donc je, avec beaucoup d'humilité, je ne me posais pas cette question. Je ne sais pas si le M c'est le M de Jean-Marie ou de Martin. En tout cas, c'est lui qui commencera à faire du rhum. Et puis de génération en génération, l'entreprise va se transmettre. 1914, Gustave Crassou de Médeuil, propriétaire d'Habitation Bellevue, achète à son frère Ernest la distillerie. On est dans la même famille. Les deux propriétés sont jointes. Elles font à cette époque 400 hectares. Ça n'est plus le cas maintenant. Il y a eu des remorcellements. Aujourd'hui, l'entreprise compte à peu près 160 hectares autour de la distillerie. Sous ce bon vieux Gustave, l'entreprise commence à gagner ses premières lettres de noblesse. En Martinique, beaucoup. En France, un tout petit peu. À l'international, très timidement. Mais en tout cas, l'entreprise commence à laisser des traces de sa... La marque commence à laisser des traces de sa présence. En 2002, et c'est là que j'interviens, le groupe Bernard Ayotte, groupe familial martiniquais, qui porte le nom de son propriétaire, acquiert la distillerie JM. Nous étions déjà à l'époque propriétaires de la distillerie Clément, domaine de la Cajou au François, qui avait été acquise en 1986. Contrairement à ce que les mauvaises langues avaient voulu dire à l'époque, les deux entreprises n'ont pas fusionné. C'est pas parce qu'on a le même actionnariat familial qu'on est automatiquement une même entreprise. Donc elle est rachetée en 2002. Et là, nous avons mis en place un très vaste programme d'investissement à tous les niveaux de l'entreprise. Et je vous invite à venir nous visiter. Nous aurons la chance cette année d'avoir 70 000 visiteurs, ce qui est absolument colossal. À titre de comparaison, Annecy a 40 000 visiteurs, qui viennent au fin fond du nord de la Martinique, dans un petit village qui s'appelle Macouba, où se situe l'entreprise. Et vous y verrez tous les travaux que nous avons faits. Cette entreprise, elle est absolument à tous les niveaux, de la distillerie, du broyage, des chais, de la maison, du parc. Elle est absolument somptueuse. Et nos équipes ont réussi le pari absolument fou de reconstruire une entreprise moderne et neuve, entre guillemets, avec des matériaux anciens. Et donc cette entreprise, je pense que si on l'avait prise en photo il y a un ou deux siècles, elle ressemblait à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Donc faire du beau et du neuf avec de l'ancien, c'est une prouesse exceptionnelle. Et déjà, je suis en train de poser les bases de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire la responsabilité, qu'elle soit écologique ou qu'elle soit historique ou patrimoniale. C'est de respecter l'histoire et la vie des entreprises pour non pas créer des bouleversements, mais les inscrire dans le temps en s'appuyant sur leur histoire, sur leur passé, sur leur savoir-faire et en se propulsant dans le futur. Voilà. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent de manière un peu précise le rhum, sinon vous ne seriez pas dans cette pièce aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre d'éléments que je vais balayer extrêmement rapidement. Bon, je l'ai dit, situé dans le nord de la Martinique, une distillerie un peu unique, comme je vous l'ai dit, 160 hectares de terre en fermage direct, c'est-à-dire dont nous sommes propriétaires autour de nous, et 250 hectares au total, car nous avons noué des contrats avec nos voisins pour à peu près 100 hectares. Nous avons deux exploitations qui faisaient de la banane et que nous avons repris, non pas en propre, mais que nous exploitons sous forme de fermage, de manière à avoir une seule canière de 250 hectares qui nous donne une autonomie absolument complète dans la production. Nous ne sommes pas dépendants de canne à sucre que nous devrions acheter à des planteurs indépendants. C'est une chance formidable parce que si vous écoutez un petit peu en ce moment en Martinique, le rhum fonctionne bien. Nous avons quelques problèmes avec la canne à sucre qui se fait un peu plus rare, et comme le rhum se développe et que la canne à sucre se fait un peu plus rare, ça crée des tensions pour ceux qui n'ont pas la chance comme nous de maîtriser 100% de leur foncier et de leur production. Voilà. Un climat absolument extraordinaire, le nord de la Martinique. Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la Martinique, je vous invite à y venir. C'est une île qui fait à peu près 1100 km², 370 000 habitants. Et c'est une île qui est parsemée de microclimats. De manière extrêmement synthétique, schématique, le sud de l'île est extrêmement sec et le nord de l'île est extrêmement humide. Et notre distillerie se trouve dans le nord de l'île, au pied de la montagne Pelée. Et le pied de la montagne Pelée, ça veut dire que quand un nuage arrive, c'est un petit peu comme, vous savez, à Saint-Jean-de-Luz, hein, il se bloque et puis il va pleuvoir pendant des jours et des jours et des jours et des jours.
Et donc ça fait que ce sont des terres agricoles magnifiques, extraordinaires pour la culture, extraordinaires pour la culture de la canne à sucre parce qu'elles sont gorgées d'eau. Et puis il y a aussi un sol extrêmement particulier qui est lié à la présence du volcan. Donc ce sont des terres absolument magnifiques pour l'agriculture. D'autant plus que le nord de la Martinique est resté très traditionnel. C'est une zone agricole, c'est une zone rurale. Donc il y a une vraie culture agricole dans le nord de la Martinique. Voilà. Vous savez qu'à la Martinique, enfin je pense que vous savez tous, on fait du rhum agricole, par opposition, ou en tout cas à la différence du rhum de mélasse, c'est-à-dire que nous broyons la canne à sucre, que nous allons ensuite faire fermenter, distiller, pour obtenir ce qu'on appelle du rhum agricole. C'est pas parce qu'il est fait par des agriculteurs, hein. C'est simplement qu'il est fait avec une matière première, qui est la canne à sucre. On aurait pu lui trouver un autre nom, mais ça s'appelle rhum agricole, ce qui représente à peu près 2% de la production mondiale de rhum, à l'opposé du rhum de mélasse, qui lui est fabriqué, donc, comme son nom l'indique, avec de la mélasse, qui est un sous-produit de la fabrication du sucre. La canne a été broyée, on a utilisé une partie du sucre pour faire du sucre, et ce qu'il reste dans le résidu de la fabrication du sucre, qu'on appelle la mélasse, et qui contient encore du sucre, va permettre de fabriquer du rhum. Deux processus de fabrication très différents, de la matière première à la distillation, puisque nous, producteurs de rhum agricole, nous avons une matière première qui est extrêmement riche en arômes, puisque les arômes ne sont pas partis dans le sucre, ils sont restés dans le jus de la canne fermentée. Et de ce fait, on va distiller à beaucoup plus bas degré, de manière à avoir une eau de vie extrêmement aromatique et dont les caractéristiques sont propres aux caractéristiques organoleptiques de la canne à sucre. Alors que le rhum de mélasse, dont la matière première n'est pas moins noble, mais elle est différente, elle est moins riche, des composés aromatiques beaucoup moins riches. De ce fait, les producteurs de rhum de mélasse ont souvent distillé à plus haut degré, 94, 95 degrés. Et vous savez que plus on distille à haut degré, moins il y a de non-alcool dans le liquide final. Et ce sont les non-alcool qui portent les arômes. Donc on a des rhums très aromatiques en rhum agricole, ce qui fait que ça ne viendrait à l'esprit de personne de faire un tiponche avec autre chose qu'un rhum agricole, alors que pour faire un rhum coca, c'est pas exactement pareil. Voilà, des cannes à sucre, alors très important, la Martinique, une AOC, des cannes à sucre, l'AOC régule du terroir, la variété de cannes à sucre, à la manière dont on distille et à la façon dont on vieillit. Donc la canne à sucre est très importante, aussi importante que les variétés de raisins vont l'être, les cépages de raisins vont l'être dans l'élaboration des grands vins. 12 variétés de canne à sucre. À l'habitation Bellevue, dans le nord de la Martinique, nous utilisons principalement 3 variétés. Chaque variété, alors on pourrait utiliser les 12, chaque variété a des qualités spécifiques. Nous recroisons le sol, la topographie, la pluviométrie. Telle variété de canne à sucre va être plus adaptée sur un sol sec, en pente, qu'une autre qui va être plus adaptée sur un sol humide, à plat. Donc c'est la topologie des lieux et la pluviométrie qui va nous inciter à planter telle ou telle variété de canne à sucre. Et encore une fois, dans le Nord, on a une chance formidable, c'est qu'on a énormément de pluie. Donc on a des rendements qui sont quasiment doubles de ceux que l'on peut obtenir dans le sud de la Martinique. Chez JM, sur nos terres, on peut monter à 100 tonnes de canne à l'hectare. Quand, dans le sud, parfois, on va être à 30 ou 35 tonnes de canne à sucre à l'hectare. Et évidemment, ça fait une différence très forte. Pour les connaisseurs, vous allez me dire, oui, mais dans le sud, il y a moins de tonnage, mais il y a plus de sucre. Alors que dans le nord, il y a plus de tonnage, mais il y a moins de sucre. Vous avez tout à fait raison. Mais à choisir, je préfère être dans le nord que dans le sud, parce que j'ai de la canne à sucre chaque année. Voilà, bon, quelques jolies photos. Une de nos cannes à sucre qui est plantée, qui est une variété de la Barbade, a des fleurs bleues violacées. On a souvent tendance à l'appeler la canne bleue. C'est vrai que chez JM, on utilise énormément de canne bleue. Nous récoltons 100% de notre récolte de canne à la machine. Certains vous diront que c'est beaucoup moins noble que de la récolter à la main. Simplement, quand une des grandes forces de cette entreprise, c'est que nous distillons de la canne à sucre fraîche. Ça veut dire qu'une heure après avoir été coupée, la canne à sucre est broyée, elle n'aura pas commencé à fermenter, elle n'aura pas commencé à se dégrader. Et ça, vous ne pouvez le faire que quand vous avez une capacité de coupe massive. Et la capacité de coupe massive, c'est la récolteuse. Voilà. Bon, je vais aller là aussi assez vite. Je maîtrise mal le temps. Quelqu'un m'a dit « je suis la montre ». Parce que je peux vous faire la même en 2 heures ou en 5 jours. 5 minutes ? 15. 15 minutes. Ah bon, j'ai fait peur. C'est vrai, je pourrais essayer 2 jours hein, sur le sujet. Je ne suis pas aussi bavard que Mathilde. Alors, bon, toujours pour vous donner un cadre un peu général, cette canne à sucre dont je vous parlais, elle va arriver, elle va être livrée 1 à 2 heures maximum après sa coupe. C'est-à-dire que dans la récolteuse Talkie Walkie avec la distillerie, j'arrive à ce moment-là, la distillerie dit c'est bon, coupe et sois là dans 20 minutes, parce que dans 20 minutes, on commencera à être...
avec un stock bas de canne à sucre. La canne arrive à la distillerie, elle tombe dans ce qu'on appelle la table à canne, où elle va être accumulée. Là, nous allons la saucissonner en petits morceaux, ce qui s'appelle le shredder, pour déjà commencer à la casser pour faciliter le travail des moulins. Puis elle va passer au travers d'une ligne de moulins de plus en plus resserrée. Des moulins, c'est des grosses vis. La canne passe, elle est écrasée. Et en dessous des moulins va tomber le jus de la canne à sucre, qui est un jus sucré, qui est très bon d'ailleurs. On le boit à la Martinique sur le bord de la route. C'est un jus qui n'a pas une apparence très jolie, mais qui est très bon en goût. Et donc c'est ce jus que nous allons récolter, extraire de la canne à sucre. On rajoute un petit peu d'eau aussi pour faciliter l'extraction du jus. Ce jus-là, il a une grande qualité, c'est qu'il contient du sucre. Et comme tout bon chimiste sait, la molécule de sucre peut être transformée par le biais de la fermentation en molécule d'alcool. Voilà. Donc nous allons mettre ce jus dans des cuves de fermentation. Nous allons y ajouter des ferments que l'on constitue au travers de cuves mères pour amorcer la fermentation. Et au bout de 24 heures, ce jus sucré va se transformer en ce qu'on appelle un vin alcoolisé. En Martinique, on appelle ça le Vézou. C'est un vin alcoolisé qui titre autour de 5 degrés d'alcool. Et c'est donc ce vin qui, lui, si le jus de canne à sucre avant fermentation est bon, le jus de canne à sucre une fois fermenté est absolument abominable. Je ne conseillerais absolument pas d'en boire. Donc là, vous allez trouver les cuves de fermentation. Nous en avons 24. 24 heures à peu près, processus de fermentation maîtrisé, on contrôle la température des cuves, il y a des serpentins pour refroidir si nécessaire, parce que la fermentation est un moment clé de la transformation du jus de canne en vézou, et si les fermentations sont mal maîtrisées, le jus que l'on va proposer à la distillation va être absolument dégueulasse, et le résultat final ne sera pas meilleur. Voilà, et puis... J'espère que je ne suis pas trop technique ou pas assez technique. Je ne connais pas le niveau des interlocuteurs dans la salle. Colonne à distiller, nous en avons deux chez JM. Une qui prend à peu près 5 mètres cubes à l'heure, l'autre qui prend 25 mètres cubes à l'heure. C'est très simple. En haut de la colonne, on envoie le jus dont je vous ai parlé, qui est à 5 degrés. Il y a des plateaux, top, top, top. Et dans les plateaux, il y a des petits trous. Le jus descend d'un plateau à l'autre. Là, rien d'exceptionnel. On envoie en bas de la colonne la vapeur rencontre le jus, elle se bloque entre les plateaux, elle sort par les petits trous, elle se bloque entre le plateau, elle sort par les petits trous. Nous avons dans notre colonne principale 17 plateaux et 5 de concentration, c'est-à-dire qu'au début l'alcool va commencer à monter et dans les derniers plateaux la vapeur alcoolisée va être concentrée. Elle ressort de la colonne, c'est une vapeur alcoolisée. Elle passe dans un système de refroidissement et elle se transforme en liquide. Ce liquide, c'est ni plus ni moins le fameux rhum JM qui va titrer entre 72 et 75, 76 degrés d'alcool. Et c'est le processus de fabrication de nos rhums agricoles. Voilà. Ensuite, ce rhum qui, on va dire, à 72 degrés, sort de la colonne à distiller, va avoir deux destinations. Premièrement, on va le consommer en rhum blanc. On va ramener son degré d'alcool à 55, 50, éventuellement 40 degrés pour le rendre propre à la consommation, en ajoutant de l'eau. Alors, il se trouve que chez JM, nous avons beaucoup de chance parce que nous avons une source, ce qui ne nous empêche pas d'avoir à quand même traiter cette eau. Mais donc, toutes les opérations de réduction vont être effectuées avec l'eau de source traitée. Et on va très lentement ramener le degré du rhum pour l'amener au degré de consommation, et à ce moment-là, il sera mis en bouteille. C'est ce qu'on appelle le rhum blanc. Et le deuxième débouché pour ce rhum JM, c'est de le mettre à vieillir. Alors là, on va le ramener à un degré un petit peu plus haut quand même. On va le mettre autour de 60 degrés, on le met à vieillir. Et là, il va rester, selon les différentes cuvées que nous souhaitons élaborer, de 3 ans d'âge, qui est le minimum pour obtenir l'appellation rhum vieux, jusqu'à 15 ans, 20 ans. On va rarement au-delà des 15-20 ans parce qu'au bout de 15-20 ans, les échanges entre le bois et le rhum ne sont plus significatifs, il n'y a plus d'amélioration. C'est pour ça que vous ne trouvez pas des rhums extrêmement, extrêmement vieux. On a un climat qui est tout à fait particulier aux Antilles, c'est qu'on a un taux d'humidité de 70%, on a une chaleur assez constante autour de 30-35 degrés à l'année, ce qui veut dire que le phénomène d'évaporation qui résulte de cette forte humidité et de ces chaleurs absolument très élevées, accélère les échanges entre le bois et le rhum. Ça rend le fût beaucoup plus poreux. Et donc,
Généralement, on constate avec beaucoup d'objectivité qu'une année passée dans un fût en Martinique est à peu près équivalente à 3 années, voire 4 années passées en Europe, que ce soit dans le whisky ou à cognac. Donc on a un phénomène d'accélération du vieillissement qu'il est difficile de mettre en avant sur les étiquettes de nos bouteilles, parce qu'un an, c'est un an, qu'on soit en Martinique ou qu'on soit en Écosse. En revanche, de manière intrinsèque, le produit a des qualités organoleptiques extrêmement différentes quand il a vieilli aux Antilles par rapport à un vieillissement continental. Voilà. Alors, bon, il se trouve qu'on a une petite distillerie, donc on pratique aussi le brûlage des fûts, ce qui permet de réutiliser les fûts au bout de quelques années. On brûle, on gratte et on réutilise les fûts. Ça donne une typicité aussi à nos rhums très, très particulière, comme vous le verrez tout à l'heure. Ça fait partie des particularités de la maison JM. On est une des rares et dernières maisons à encore avoir en interne des tonneliers qui travaillent à la fois à la reconstruction des fûts quand ils s'abîment et qui travaillent aussi à faire le brûlage pour pouvoir réutiliser les fûts et donner une typicité très particulière qu'on peut obtenir en utilisant uniquement des fûts neufs ou des fûts de Bourbon. C'est vraiment un apport extraordinaire et d'ailleurs c'est un atelier que l'on met en lumière quand on a nos visiteurs qui viennent visiter l'entreprise. L'eau, je vous en ai parlé, c'est l'eau de source. Voilà, une première partie un petit peu longue, mais ça m'a permis de poser le décor de la deuxième partie et qui est vraiment le sujet de notre échange aujourd'hui. La distillerie JM s'est fixée pour objectif de rendre à la terre les richesses que la terre nous a offertes. Alors, c'était au départ, on s'est retrouvés dans un contexte. Il faut repositionner le rhum. Le rhum, nous sommes les seuls, nous, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Réunionnais, nous sommes les seuls producteurs de rhum au monde à produire du rhum en Europe. C'est formidable. Ça crée aussi beaucoup de contraintes. Pour vous repositionner la Martinique, quand on regarde dans le nord, on a la Dominique. Quand on regarde dans le sud, on a Sainte-Lucie. La Sainte-Lucie fait du rhum, la Dominique fait du rhum. Quand on remonte, on a quelques îles dont vous avez peut-être entendu parler. Cuba, Saint-Domingue, la Barbade. Bon, et ben ces îles qui font du rhum, il se trouve qu'elles ne sont pas en Europe. Elles n'ont pas cette chance d'être en Europe, elles n'ont pas la chance d'avoir des contraintes sociales significatives, sur lesquelles on ne s'oppose absolument pas, et que tous nos voisins de la Caraïbe envient à la Martinique et à la Guadeloupe. Mais ces îles n'ont aussi pas les contraintes environnementales qui sont celles propres à l'Union européenne. Et donc depuis une dizaine d'années, je devrais même dire 15 ans, l'outre-mer, ce qu'on appelle à Bruxelles les RUP, c'est magnifique, c'est les régions ultra-périphériques. À Bruxelles, tout porte des initiales, nous sommes les RUP, donc JM est un RUP, nous a imposé, alors avec des temps de mise en œuvre, un certain nombre de réglementations, qu'évidemment aucun de nos confrères dans la Caraïbe n'a, qui touchent à la fois à l'environnement, à la sécurité. Sur le plan social, là, il n'y avait rien à dire, on était absolument parfait. Mais sur l'environnement, la sécurité, ils nous ont demandé de nous mettre aux mêmes normes que les industriels. C'est un vilain mot, mais c'est comme ça que ça s'appelle, européen. Bon, sans pouvoir pour autant nous donner des comparaisons, puisqu'il n'y a pas d'autres producteurs de rhum en Europe. Donc ils ne nous ont pas dit, vous devriez faire comme ça. Bon, l'entreprise progressivement a pris en compte, pris en considération tous les changements qui allaient devoir intervenir. Alors parfois, c'était des trucs absolument abracadabrantesques. Je prends un exemple, les distilleries de la Martinique, la distillation, il y a un résidu qui s'appelle la vinasse. Bon, on va dire au temps longtemps, comme on dit aux Antilles, la vinasse partait à la mer. Et puis un monsieur de Bruxelles est venu nous voir en disant les poissons se sont plaints. Alors, il dit non, c'est pas vrai, les poissons se sont pas plaints, on le saurait. Ils ont dit si, si. Enfin, même s'ils se sont pas plaints, au cas où ils se plaignent, parce qu'on sait pas si demain ils vont pas se mettre à parler, vous n'avez plus le droit de jeter vos vinasses à la mer. Sauf que nous avons une distillerie à Sainte-Lucie. C'est formidable l'interprétation de qu'on soit d'un côté ou de l'autre des rives. À Sainte-Lucie, nous avons une distillerie. Les services de l'environnement nous ont dit les vinasses à la mer, alors quand elles sont jetées suffisamment loin pour pas que ça soit inesthétique, ont réactivé le milieu marin. Il y a deux interprétations absolument diamétralement opposées. Bon. On va quitter Sainte-Lucie, on va rester à la Martinique. Et donc, il y a eu un certain nombre de contraintes qui se sont mises en face de nous. Et avec Emmanuel Béchaud, avec Bernard Ayotte, notre président, on s'est dit il y a deux manières de prendre en considération ces contraintes. Soit on les subit, on lutte, on a quelques confrères qui repoussent, qui font des
qui, des appels, qui trouvent des raisons sur la forme pour reporter le problème. Nous, on a dit, ce qu'on va faire, c'est que ces contraintes, on va en faire des avantages. Puisque nous devons nous mettre aux normes, et puisque la Martinique, puisque l'Outre-mer, mais la Martinique en l'occurrence, aura les distilleries les plus propres du monde, eh bien, allons jusqu'au bout de cette démarche, organisons les choses pour faire encore mieux que ce qu'on nous demande. Et à ce moment-là, on pourra revendiquer avec une grande légitimité d'être les meilleurs élèves de la classe mondiale de producteurs de rhum. Et ça deviendra un élément vertueux de mise en avant de à la fois de nos valeurs et à la fois de nos produits. On est tous à l'esprit, malgré tout, qu'en tant que consommateur, qu'un produit qui a été produit dans le respect le plus strict de l'environnement est un produit qui, a priori, doit être meilleur que les autres. Et on voit bien aujourd'hui, là je vous raconte une réflexion d'il y a 10 ans, c'était avant qu'on fonce tous au Monoprix acheter des produits bio, hein. Il y a 10 ans, c'est pas comme ça. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs que l'éco-responsabilité est quelque chose de louable et quelque chose qui engendre, ça veut dire 5 minutes ça, quelque chose qui engendre un produit de meilleure qualité. En plus, je vous fais part de ma réflexion d'il y a 10 ans. Bon, le bio est arrivé. Alors nous, on n'est pas bio parce que pour d'autres raisons, on pense que... Bon, Claudine Nesson n'est pas là. Moi, je dis, le rhum, c'est pas bon pour la santé. On va pas se mentir, c'est de l'alcool. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Donc même si on met bio, ça rend ni plus intelligent, ni plus beau, ni plus fort. Plus beau, non, parfois, on pense qu'on est plus beau. Mais c'est un effet court. Donc, non, je blague. C'est évidemment, le rhum est un bon produit, consommé avec modération, et ça reste de l'alcool. Donc on n'a pas été dans la démarche bio, mais on a été dans la démarche éco-responsable. Et en plus, depuis 2 ou 3 ans, on est rattrapé par cette fameuse vague craft. Alors il paraît qu'il ne faut plus dire craft, je ne sais pas quel est le nouveau mot, traditionnel, artisanal. Et en fait, le craft, il a été inventé à Macuba. Parce qu'il n'y a pas plus craft, il n'y a pas plus artisanal, il n'y a pas plus traditionnel que la distillerie JM. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en plus, les consommateurs, c'est exactement le message qu'ils veulent entendre. Alors nous, on a de la chance, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas un marketing monstrueux, mais on n'a rien à inventer, on a juste à dire ce qu'on fait, ce qui nous donne, je pense, qui va nous donner un avantage concurrentiel tout à fait nécessaire. Ce schéma est affreux, regardez-le, mais je vais vous l'expliquer. Il est abominable, mais voilà. Je reprends le processus dont je vous ai parlé. Nous prenons de la canne à sucre. Cette canne à sucre, on la broie. Et évidemment, une fois qu'on l'a broyée, il nous reste les fibres, puisque nous, on n'a pris que le jus. Jusqu'à... Avant, les fibres, on en poussait une partie dans la chaudière pour faire marcher les moulins et pour faire de la vapeur. On s'en servait comme combustible. Bon, comme finalement, on a trouvé que faire marcher les moulins à l'électricité, c'était plus simple, parce que ça permettait de donner beaucoup plus de souplesse, de régulation. On utilise la bagasse maintenant uniquement pour la colonne à distiller, pour faire la vapeur. Ce qui fait qu'on se retrouve avec à peu près 60% de bagasse excédentaire. Alors bon, on s'est dit, il y a 2 solutions. Soit on la pousse, parce qu'on a la chance chez JM, il y a une ravine, donc on la fait tomber dans la ravine, et on attend de voir si elle disparaît, mais on s'est dit qu'on allait se faire rattraper par la patrouille très rapidement, donc on n'a pas opté pour cette formule. On s'est dit, 30% de notre bagasse, on va la brûler dans notre chaudière pour faire le combustible qui sert à produire la vapeur. 20%, on la transforme en compost, c'est-à-dire qu'on rajoute des trucs un peu dégueulasses qu'on va chercher chez du lisier de porc, des trucs comme ça qu'on va utiliser, mélanger avec notre bagasse et qu'on va utiliser comme apport dans nos champs. Donc ça va devenir un fertilisant. Et 50%, on est en cours de finalisation, on les livre à une centrale électrique qui fabrique de l'électricité à la fois avec de la biomasse locale, c'est-à-dire la bagasse, et à la fois avec des produits importés. Donc on a réussi à traiter dans le plan 2020 100% de notre bagasse entre notre utilisation personnelle, transformation en compost, en plus ça nous évite d'avoir à acheter des engrais puisqu'on fabrique nos propres engrais, et le reste on l'envoie à la centrale qui fabrique de l'électricité avec. Et c'est très bien parce qu'au grand regret de nos salariés sur le plan pratique, mais ils sont très heureux de cela sur le plan environnemental, on a acheté pour tout le personnel des voitures électriques. Donc la bagasse, elle fait marcher la chaudière, la bagasse, elle part à la centrale thermique qui la transforme en électricité qu'on met dans les petites Zoé de nos collaborateurs. Alors ils ont dit, ouais, mais il n'y a pas de gros 4x4. Enfin si, la Zoé, c'est pas un 4x4, nous on préférait avoir des 4x4. On leur a dit, écoutez, prenez des bottes pour monter dans les champs et lécher la Zoé en bas. C'est très bon, du coup ça fera du fitness pour tout le monde. Voilà cette première partie.
Pour brûler toute cette bagasse, on a dû changer notre chaudière. Et là, on avait deux choix. Il y avait une chaudière, elle n'était pas très chère, mais elle polluait, elle rejetait des particules. Et il y avait une deuxième chaudière, elle était beaucoup plus chère, il faut le dire, mais elle traitait 100% des fumées. C'est-à-dire que quand la chaudière est allumée, vous regardez la cheminée, vous ne voyez même pas qu'elle est allumée. On a opté pour cette chaudière. Bien nous en a pris, c'était il y a 3 ans. Entre-temps, l'Europe, ils sont d'une agilité, d'une flexibilité absolument épatante. Ils ont pondu une nouvelle norme sur les émissions de particules des chaudières à bagasse. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, il y a un type qui sait qu'on fait de la bagasse à la Martinique et il nous a foutu une norme. Et ben, il se trouve que quand on a eu le bon de commande, on avait choisi celle qui coûtait cher et qui ne polluait pas dans cette logique-là. Et du coup, on se retrouve en Martinique avec la seule chaudière aux normes en 2019 de la réglementation européenne. Bien nous en a pris. Et là, pour le coup, j'ai quelques confrères qui sont ici, qui sont en train de ferrailler dur avec le préfet et la DEAL pour dire « Ok, mais donnez-nous 5-10 ans parce que c'est un changement monumental ». Tout ça, c'est traité. Et jusque-là, si vous voulez, le seul déchet qu'on produit, on n'a pas mis des toilettes sèches encore, mais le seul déchet qu'on produit, il est réutilisé dans les moteurs de nos voitures électriques. Restait un très, très gros problème, le problème des poissons qui se plaignent de la vinasse à la mer. On ne l'achetait plus à la mer depuis longtemps, parce que ça fait bien longtemps que c'était interdit, mais on l'a brassé, on l'a monté. Alors, la vinasse, concrètement, une fois que l'alcool est sorti de la colonne à distiller, l'alcool, c'est 5% du jus qu'on envoie du jus à 5% d'alcool. On ressort du rhum à 70%. Globalement, il y a 10 fois le volume du rhum produit qui sort en bas de la colonne et qu'on appelle la vinasse. Et jusqu'à présent, on l'épandait un peu dans les champs, mais c'était quand même pas génial parce que la vinasse, c'est acide. Il y a un pH qui est autour de 2-3. Et puis aussi, ça crée des boues. Donc quand on crée des boues, quand on l'envoyait dans les systèmes d'irrigation, la boue, ça bouche au système d'irrigation. Donc on s'est aperçu au bout de 3-4 ans que là, c'était une intention vertueuse, mais qui était malheureusement la FBI, la fausse bonne idée. On s'est aperçu qu'on avait bouché les systèmes d'irrigation et qu'on avait un peu acidifié les sols. Or, comme on les pendait sur nos champs de bananes, il faut qu'on a la culture de bananes aussi, on a un peu appauvri les sols et puis on a eu des rendements bananes, des terres qui donnaient 50 tonnes de bananes à l'hectare, ils sont passés à 30 et quand on a analysé les sols, on a dit c'est sûr, on a acidifié les sols. Donc on a réfléchi comment poursuivre ce processus d'éco-responsabilité et toujours de rendre à la terre ce qu'elle a bien voulu nous faire l'honneur de nous offrir. La bagasse, je vous en ai parlé. Et donc on a mis en place un système l'année dernière qui est 100% opérationnel cette année et que j'étais dessus la semaine dernière en Martinique pour vérifier qu'il était vraiment bien opérationnel. Et c'est un système absolument unique. La fameuse vinasse dont je vous parlais, on parle de 22 millions de litres. Hein. C'est pas rien pour une distillerie qui produit 2 millions. C'est pour ça que je vous dis, on est à peu près à 10 fois, on produit 10 fois de la vinasse par rapport à notre volume de rhum. Nous la pompons, nous la remontons sur nos terres. Rappelez-vous, on a la chance d'avoir 160 hectares de terre, dont une partie est en banane, 30-40 hectares, le reste est en canne. Et on est entouré de producteurs aussi de bananes qui sont demandeurs d'un liquide. Elle me dit qu'il reste 3 minutes. C'est bien, 3 minutes. Et vous, je vous regarde plus. Ça va régler mon problème, je ne vous regarde plus. Et du coup, on remonte cette vinasse dans des bassins. Un premier bassin la brasse pendant à peu près 24 heures. Le brassage permet de faire remonter le pH. Donc après, on se retrouve avec une vinasse à 7 de pH. Alors, elle contient toujours du liquide et des boues, et c'est là qu'il y a un vrai problème. Une fois que le pH a été traité, on remonte. Donc ça, c'est le bassin qui ramène le pH à 7. Ensuite, on la remonte dans une des trois lagunes. Les trois font le même boulot, hein. C'est juste pour avoir les capacités de traiter en permanence pendant les 4 mois de la distillation les 22 millions de litres. Le vin est brassé ici, enfin la vinasse est brassée, le pH est remonté à 7, elle est mise dans un bassin ou le deuxième ou le troisième. À l'intérieur de ces bassins, nous avons au fond des filtres, des graviers pour filtrer, et au-dessus, les bassins sont intégralement plantés avec des héliconias et des papyrus. Il se trouve que ce sont en plus des plantes endémiques de la Martinique. Et donc, les lits plantés avec le vent bougent en permanence et favorisent la consommation, un milieu qui se... Je cherche mes mots, là. Les boues vont se consommer, voilà. Elles vont se consommer. Le liquide clair va redescendre. Et une fois qu'il est sorti de chacune des lagunes, il va passer
dans des cuves de stockage qui sont ici. Et là, on se retrouve avec une vinasse qui a été... Le pH a été remonté à 7. Elle a été intégralement débarrassée de ses boues, mais elle est extrêmement porteur de matière organique. Et c'est cette vinasse que nous introduisons dans les eaux qui servent à irriguer nos champs de bananes. Et à ce moment-là, au miracle, le rendement des bananes est remonté et nous avons un cycle de 360 qui nous a permis de réutiliser et de réinjecter dans le milieu de manière positive 100% des produits et des sous-produits de la fabrication de nos rhums. Je passe sur le fait qu'on ne veut plus avoir de paille en plastique, qu'on ne veut plus, je vois la directrice marketing qui me regarde, il faut le dire, que nous ne prenons plus de gobelets en plastique. Je veux dire, seule chose qui reste, qu'on n'a pas encore mis, et je m'y oppose, c'est les toilettes sèches, parce que c'est vraiment désagréable de lire les échos après quelqu'un. Mais on va y arriver, vous allez être très forte. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu vite sur la fin parce que la montre m'a dit stop. Et je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, vous venez me voir. Et il y avait la dégustation du millésime, on a le droit quand même ça. Et là, il faut appuyer sur un, il y a un film en fait, je ne sais pas faire. Puisque notre maître de chais, Karine Lassalle, s'est attaché à vous délivrer un petit message. Alors, regarde, il est en bas le petit, voilà. Bonjour. Malheureusement, je n'ai pas pu être parmi vous aujourd'hui, donc je vous propose de faire une petite dégustation de notre futur millésime 2009, de façon plus interactive. Donc, la technologie veut ça aujourd'hui, donc on va en profiter. Donc c'est un brut de fût, comme nous avons l'habitude de faire. Vieilli dans des fûts d'occasion bourbon, comme la tradition des rhums JM. Donc il présente un nez plutôt sur les feuilles de tabac blond, de tabac séché, et également sur les fèves de cacao et les notes de fruits secs. À l'agitation, on retrouve de la vanille qui est plutôt gourmande et qui lui permet également d'avoir un nez plutôt chaleureux et gourmand. Sa bouche est plutôt ronde, puissante, sur les notes toujours de tabac, de cacao. Et sur la finale, on retrouve bien les notes de fruité, de fruits secs. On a la figue, agrémentée de vanille, de fruits exotiques également. Et il se mariera, je pense, très bien. Peut-être il remplacera vos vins rouges avec vos viandes lors de grillades entre amis. Donc je vous souhaite une bonne dégustation pour ce soir. Oh. Ben voilà, ben écoutez, je vous remercie et si vous avez des questions, je suis désolé, j'ai été vite, mais n'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup.